Chers amis auditeurs, bienvenue sur votre web radio enracinée, votre radio Lorraine Enragée, comme toujours, la meilleure radio sur la net, avec François-Xavier Consoli, votre serviteur. Je reçois aujourd'hui à notre micro un invité particulier, puisque si vous ne le savez pas encore, il s'agit de mon binôme avec qui j'ai fondé cette radio. Il s'agit de Sylvain Durin. Salut Sylvain. Salut FX et salut à tout le monde. J'ai le plaisir de te recevoir, Sylvain, car nous allons parler de ton livre, « Ce sang qui nous lie ». Livre assez complexe au premier abord, mais ô combien essentiel. Et livre en plus édité par une maison d'édition maison, puisqu'il s'agit des éditions du Verbe Haut, donc une maison d'édition que tu as fondée. Exactement, il y a un an quasiment pile poil. Et donc ce livre est sorti en 2019. Alors, on va essayer de faire assez précis et essayer d'être concis aussi pour éviter d'embrouiller les auditeurs avec des sujets et des concepts un petit peu ardus, mais on va essayer d'être le plus clair possible. Alors, tout est dans le titre, si seulement ça suffisait à comprendre, ça serait tellement bien. Ce sang qui nous lie vers le matriarcat. Sylvain, tu as depuis très longtemps, tu as une marotte parce que tu travailles sur ce sujet, le principe du patriarcat, du matriarcal, la figure du père au sein des sociétés, au sein des différentes civilisations, et notamment la figure du Christ et l'arrivée donc du message du Christ qui vient rompre l'ancien schéma. Tu vas détailler bien sûr. Alors, je vais commencer par une question toute simple. Qu'est-ce que tu entends par le patriarcat et le matriarcat, ces deux concepts qui s'opposent? Ouais, alors t'as tout résumé en fait, on pourrait arrêter là. Si seulement. Alors en fait, ce que les futurs lecteurs découvriront dans le livre, c'est que je propose des définitions, je pense qu'ils n'ont jamais été proposées encore, parce que j'utilise une méthode des trois niveaux. J'appelle les trois niveaux primordiaux, donc la famille, la politique et le religieux. Et en fait, on se rend compte que si on prend ces trois niveaux primordiaux pour analyser est-ce qu'on est en patriarcat ou est-ce qu'on est en matriarcat, on se rend compte que c'est évidemment la place du père qui fait toute la différence et que dans un patriarcat, mais dans une famille qu'on appelle nucléaire, je propose un autre concept dans le livre, mais on laissera ça pour les lecteurs, pour faire simple, nucléaire, un père, une mère, complémentarité entre les deux figures et puis une indifférenciation entre les deux. Il n'y a pas de... C'est pas le féminisme moderne qui voudrait qu'une femme soit comme un homme et qu'un homme est comme une femme. Il n'y a pas d'égalité, voilà, c'est le mot que je cherchais. Mais il y a une complémentarité. Voilà. Il y a la même chose avec les enfants. Donc ça, c'est pour le niveau 1 du familial. Le niveau 2, il y a une autre complémentarité avec une figure de père de la nation. Alors évidemment, dans le livre, je parle du roi, parce qu'on est français et qu'on parle de ce qui, pour moi, est la plus grande figure patriarcale, c'est le roi de France. C'est un héritage, quand même, qui est le plus long qu'on ait. Exactement. Mmh. Et puis, en plus, c'est le seul qui faisait la complémentarité avec le pape. Donc, on a une indifférenciation qui permet au roi d'être dégagé de tous ses attributs magiques. Même si on restait un peu au roi, mais il n'y avait pas d'excès, en fait, dans la magie, comme les anciens chefs de tribu, ils avaient à la fois la magie, l'économie, la politique, le militaire. Et ils indifférenciaient en eux tous ces principes, quoi. Donc ça, c'est pour le niveau 2. Et avec une chose importante, c'est que le roi n'est plus, comme à l'époque d'avant l'arrivée du Christ, et surtout avant l'arrivée du christianisme, disons, institutionnalisé, l'époux des déesses. Il devient le lieutenant du Christ, donc le représentant du Père, en fait, du Père sur Terre, de Dieu le Père sur Terre. Donc ça, c'est pour le deuxième niveau. Le troisième niveau, le religieux, ben, c'est très simple, c'est Dieu le Père. Il y a aussi une complémentarité, une forme de complémentarité, puisqu'il est trine. Et il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et on sort de ce qu'on appelle le monisme ontologique. Alors là, on est dans un concept qui peut faire peur à tout le monde, mais en fait c'est très simple. Les religions païennes pensent qu'on est dans un monisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de créateur ni de créature. Il y a un mouvement en fait. Le monde est une unité cohérente. Voilà, qui se crée elle-même et qui s'articule par elle-même. Mmh. Il n'y a pas de séparation entre le créateur et la créature. Et on se rend compte qu'avec ces trois niveaux, tout est en concordance en fait. La place du père est au centre, mais la place de la femme aussi est totalement importante. Hein. Puis même au niveau 2, les reines ont eu un très grand rôle en France. Hein. Enfin, et puis on dit que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Une grande femme. Et donc tous ces trois niveaux sont cohérents, et c'est la définition que j'ai proposée du patriarcat. Et on se rend compte que le matriarcat, c'est plus ou moins le pendant inverse.
C'est-à-dire que la famille, elle n'est plus nucléaire, mais elle est communautaire, elle est clanique. On a beaucoup d'exemples en France aujourd'hui avec toute l'immigration maghrébine notamment, ou africaine en général, ou même orientale on pourrait dire. Donc elle est clanique, la place du père n'est pas du tout la même parce qu'elle est soit celle d'un chef de tribu. Donc là on sort du nucléaire et on sort du rôle vraiment de différenciation du père. On pourra développer après, je pense. On va développer. Le niveau 2 est un peu le même puisque le chef n'est plus le roi lieutenant du Christ, mais est un espèce de chef aussi de tribu. Il a un rôle tribal, et il indifférencie en lui, comme on a dit tout à l'heure, beaucoup de choses. Comme on a dit, la politique, la magie, l'économie, la guerre aussi, beaucoup. C'est souvent lui qui dit, pour des raisons politiques ou religieuses, ou même économiques parfois, il faut aller faire la guerre avec une autre tribu. Et aussi, il a un rôle particulier, c'est le rôle du bouc émissaire. C'est-à-dire que quand la communauté va péricliter, perdre une guerre, les femmes enfantent moins, où il y a beaucoup d'handicapés par exemple, où au niveau nourriture, on a des pénuries. Toute la communauté va se trouver dans ce que Hobbes appelait, tu sais, le tous contre tous. L'homme est un L'homme est loup un loup pour pour l'homme, l'homme. etc. Et il va se transformer en du tous contre tous, en tous contre un. Et en général, on va se retourner vers le chef. Puisqu'il n'a pas la figure du père vraiment telle que je l'ai analysée dans le livre. Donc en sacrifiant ce chef, la communauté va se régénérer, on pourrait dire symboliquement ou spirituellement, pour retourner dans un nouveau cycle en fait, un nouveau cycle de création. Donc là on est déjà dans du monisme ontologique en fait. Alors qu'avant on n'était pas du tout dans la vision cyclique de l'histoire, dans le patriarcat, on était dans une vision plus linéaire, pas dans le sens progressiste moderne, mais dans le sens linéaire chrétien on pourrait dire. Pareil on pourra développer si jamais. Voilà, ça c'est pour le niveau 2, pour rester le plus simple possible. Et pour le niveau 3, on se rend compte que c'est... Juste pour ce niveau-là, on a un exemple pour les auditeurs qui sont amateurs de certaines vidéos, notamment de Francis Cousin. Il a un très bon exemple, j'y pensais quand tu parlais du chef, c'est l'exemple d'Arminius, le chef germain, qui finalement, Exactement. alors qu'il acquiert le statut de chef, dès lors où son rôle est accompli et où il a botté le cul des légions romaines, bon bah la Il peut tribu dégager, veut reprendre en fait son statut de chef, lui ouais. il ne le veut pas et il se fait tuer par la tribu. Exactement, c'est ce qu'on voit aussi chez les pirates. Ok. Les pirates ne supportaient pas les chefs, mais quand il y avait un problème, on nommait un chef et on nommait celui qui allait se faire sacrifier en fait. Mais c'est ce qu'on trouve aujourd'hui dans la démocratie, puisque notre système électoral, on désigne un chef par un système en plus d'indifférenciation, mais on désigne celui qu'on va détester pendant 5 ans. Ce soir, le score d'Emmanuel Macron me rappelle quelque chose, c'est les 2 Français sur 3 que Valéry Giscard d'Estaing voulait rassembler. Ce soir, ils le sont. Et ça dit quelque chose de formidable sur notre pays, c'est un message au monde, parce que tout le monde voyait la France cafardeuse, désespérée, d'une certaine manière ayant renoncé à l'esprit qui était le sien. Et en choisissant le plus jeune président de la Ve République, le plus jeune président depuis que la République existe, vous l'avez rappelé, et le plus jeune chef d'État de tous les grands pays de la planète, la France envoie au monde et à ceux qui la forment, à ses citoyens, un message incroyable d'espoir. Et ce sera le bouc émissaire idéal. On le voit aujourd'hui où tout est de la faute de Macron. Hier, tout était de la faute d'Hollande et demain, tout sera de la faute de Christine Lagarde, je ne sais pas Ou d'un qui. poisson rouge. Ou d'un, voilà, exactement. Ou d'une chèvre, ou de qui on veut. Au choix, quoi. Donc, quand on est dans ce monde matriarcal, c'est pour ça que j'appelle matriarcat sacrificiel, parce que le sacrifice est au cœur du système, et bien en fait, le chef va nous servir de bouc émissaire. Voilà. Là, on peut renvoyer aux travaux de René Girard, Bien qui a sûr. écrit des livres exceptionnels à ce sujet. Et pour le niveau 3, c'est en cohérence totale, puisqu'on est dans une croyance avec beaucoup de métempsychose. C'est-à-dire que l'âme va migrer, en fait, à la mort de la personne, l'âme va migrer soit vers une île, soit vers d'autres, soit vers Les des étoiles, animaux, vers vers des animaux, etc. Et en fait, il n'y a jamais vraiment de création. c'est la Voilà, c'est la réincarnation bouddhiste. réincarnation. Oui, voilà, le bouddhisme rentre totalement là-dedans. Moi, je parle souvent de la tribu des Argonautes, j'ai oublié leur nom, tiens, pour une fois. Dont je parle au début du livre, que les Malinowski avaient appelé les Argonautes, c'est les Trobriandais, voilà. Eux pensaient que l'âme de l'homme ou de la femme allait sur une île, qui était une vraie île, qui était à peut-être une centaine de kilomètres de leur lieu de vie, allait se régénérer sur cette île, et par un système de cycle, de vision cyclique de l'histoire,
et de la spiritualité allait revenir directement dans le vagin d'une femme. D'accord. Et elle allait être la réincarnation d'une femme du clan maternel. Et on disait, par exemple, regardez, le petit là, il a les mêmes traits psychologiques que l'arrière-grand-mère, par exemple. Mm. Mais ce sera toujours du clan maternel. Mm. Donc on se rend compte que cette notion de sacrifice, plus métempsychose, plus monisme, a toujours un lien avec le côté maternel. Et quand il a un lien avec le côté paternel, si on creuse, on se rend compte qu'en fait, le côté paternel, c'est toujours l'oncle de la mère de l'enfant. De l'enfant. Donc il y a toujours ce rôle de maternant, quoi. Donc dans ces anciennes civilisations, le père a un rôle mineur. Exactement. Côté... Soit il a pas de rôle, ce qui existe beaucoup, parce qu'il faut, bien comprendre, et ça, on se moquait de moi à l'époque, mais depuis que Zemmour l'a dit il y a un mois, je crois, sur CNews, tout d'un coup, c'est devenu quelque chose... Ah, si Zemmour l'a dit, forcément. Voilà. Ouais. C'est qu'en fait, au tout début de l'histoire de l'humanité, on n'avait pas conscience du rôle du sperme dans la procréation. On pensait que les femmes étaient enfantées par les dieux. Ça en faisait des déesses, ce qui est tout à fait logique, en fait. C'est pour ça que toutes les croyances... De ce fameux monisme ontologique, de la métempsychose et tout, avait une cohérence en fait. Donc l'homme avait un rôle, il avait un rôle parfois de socialisation par exemple. Il apprenait à chasser à l'enfant, admettons. Mais c'était rarement le père biologique, c'était souvent l'oncle maternel, le frère de la mère. Donc la figure paternelle est soit absente, soit manquante, soit ils appellent ça le tama. Moi j'aime bien ce terme parce que ça veut dire la relation au masculin. Ils n'avaient pas le mot pour dire père, ils disaient tama. Et en fait, ce tama, c'est vraiment une relation. Donc c'était souvent l'oncle maternel, mais ça pouvait aussi être quelqu'un d'autre dans la communauté, un grand guerrier, admettons, un grand chasseur. Mais qui avait quand même des prémices de rôle paternel, de sortie un peu du clan, et d'apprendre voilà, à se servir de la lance, à se servir comment est-ce qu'on fait du feu, etc. Tu as donné son nom, tu t'es inscrit dans la lignée du grand René Girard, hein, qui est quand même, il faut le souligner, l'un des derniers grands philosophes français. Il est mort il n'y a pas très longtemps, je crois. Ouais, Alain Pascal m'a dit personnellement que pour lui, c'était le plus grand penseur du XXe siècle. Oui, effectivement. Donc, pour quelqu'un qui est très peu connu, en fait, hein, finalement, parce qu'en France, il a été raillé assez rapidement. Et il s'est fait connaître aux États-Unis. Il n'est pas enseigné à la faculté. Enfin, en tout cas, pour quelqu'un qui est passé par la philosophie à la faculté, je peux t'assurer qu'il n'est pas enseigné. Non, il n'est pas enseigné, puis il est même moqué. Il est même beaucoup moqué par les anthropologues ou par les étudiants de lettres, en lettres classiques ou lettres modernes. Parce qu'il a quand même fait une chose énorme, c'est qu'il a inventé son concept du désir mimétique à partir de la littérature. Et il l'a ensuite transposé à l'anthropologie. Ce qui est une preuve de génie, parce que le génie, c'est faire des liens. C'est faire des liens, c'est articuler les choses. Exactement. Donc lisez René Girard, on peut conseiller ça à nos auditeurs aussi. Et justement, parce que, bah merci, parce que tu me fournis la transition, à la faculté, précisément, je ne m'adresse pas qu'aux étudiants, hein, mais c'est simplement pour expliquer comment intellectuellement on travaille l'opinion, et bah, la faculté, c'est un des endroits où cela se fait. À la faculté, on parle beaucoup du contrat social de Rousseau. Et toi-même, tu écris « Ainsi, la culture humaine ne naît pas du contrat social, mais bien du sacrifice. Le sang qui nous lie, c'est le titre de ton livre, c'est celui qui coule de la victime émissaire, qui coagule et qui nous coagule. Le contrat social de Rousseau n'est qu'une conséquence de la violence. Certes, il existe, il est important, mais la décence commune d'Orwell n'est pas une création humaine d'un groupe d'individus se réunissant tranquillement autour d'une table pour discuter de ce qui fera société ou non. » Coucou Étienne Chouard. Ouais, c'est ça, ouais. J'allais dire. Hein, grosso modo. Jamais les hommes n'ont décidé d'impact culturel de leur plein gré, ils ont d'abord subi une crise violente. Donc, si je suis toujours ton raisonnement, la naissance d'une civilisation, la naissance d'un corps constitué qui va faire politique, donc ça passe par le sacrifice. Mais en fait, c'est très logique. Si on parle de choir, c'est pas parce que des gens vont dire « Tiens, on va décider de se mettre autour d'une table et de faire le RIC, on va créer une culture commune ». Ça n'a aucun sens et ça ne peut pas fonctionner. Ce qui fonctionne par contre, et ça, René Girard en montre des centaines d'exemples, et on sait maintenant que le sacrifice, on sait maintenant depuis même quelques années que le sacrifice était au cœur de toutes les religions et les cultures primitives, on pourrait dire, ou antiques, ou ancestrales, on prendra le terme qu'on veut. Et en fait, c'est très simple, c'est que comme la culture humaine de cette communauté, admettons, prenons une tribu, prenons un cas concret, on prend une tribu, qui tout d'un coup tombe dans le tous contre tous, parce que c'est la règle de toutes les tribus du monde. Soit elles disparaissent, puisqu'elles vont s'entretuer, soit elles vont réussir inconsciemment à désigner cette victime émissaire, ce bouc émissaire. Et une fois qu'elles vont le sacrifier, ensuite, elles vont le déifier.
On voit beaucoup ça dans la mythologie grecque. Les dieux qui sont adorés par les Grecs sont souvent des véritables victimes émissaires et qui ont permis, par exemple, même dans la Bible, on voit ça avec les Caïnites, qui ont. C'est grâce au sacrifice de Caïn. Une fois Bien sûr. qu'on a sacrifié cette personne, on va pouvoir en fait mettre point par point tout ce qui n'allait pas avant dans l'ancienne culture. C'est souvent les lois découlent du sacrifice. On va se rendre compte que bah, finalement, bon là, je trouve pas d'exemple concret, mais on va se rendre compte que tel point qu'on faisait dans cette culture ne fonctionnait pas. Et grâce à ce sacrifice-là, on va dire que notre nouveau Dieu, vous mettez le nom du Dieu que vous voulez, nous a dit dans une loi divine que maintenant, dans notre nouvelle culture, il ne faut pas faire ça. Et en fait, c'est là, à partir de ce moment-là, que les gens vont dire, bah, ok, on accepte ça. Et on peut rentrer dans le contrat social si on veut. Mais sans le sacrifice et sans le sang qui coule, j'ai une formule, c'est que le sang coagule et nous coagule entre nous. Et si on n'a pas une victime émissaire qui nous coagule tous, eh bien on ne peut pas faire culture. Tu prends par exemple même le christianisme. Nous, notre seule différence, c'est qu'après nous, on pense qu'il n'y a plus de sacrifice après celui du Christ. C'est le Il se sang du sacrifie Christ, pour tout le monde. exactement, le sang du Christ qui lave les péchés du monde. Et nous, on va pouvoir se coaguler autour de ça. Si le mécanisme victimaire est un mécanisme de représentation, et si ce mécanisme de représentation surgit, en particulier dans les évangiles, parce que la passion et la description de l'événement fondateur dont je parle, cette fois sous une forme parfaitement scientifique, ce n'est pas Judas qui est responsable de la mort de Jésus. Ce n'est pas Caïphe, et ce ne sont pas les autorités juives. Ce n'est pas Pilate qui aurait bien voulu ne pas céder à la foule. C'est la foule, et ce sont même les disciples de Jésus, par passion mimétique. Si vous regardez même la trahison de Pierre, vous voyez qu'il est fasciné parce qu'il a peur de son accent provincial, n'est-ce pas? Et qu'il tombe, si vous voulez, dans les conduites de foule, n'est-ce pas? Alors je crois que ce qui revient à notre époque et ce qui va détruire la problématique du sujet, précisément, c'est la problématique de la contagion mimétique et de la problématique du collectif véritable qui a disparu. Ou là, qui vous a avez été une phrase un traité peu compliquée, là, la d'une. problématique de la contagion mimétique, là, Non, là. Si vous voulez, on a toujours conçu le groupe à partir d'un sujet, du oui. sujet cartésien, du sujet philosophique. Vous voyez ce que je veux dire? Où Freud lui-même, lorsqu'il pense à la foule, ne peut penser à la foule qu'une foule dotée déjà d'un chef, d'un père, d'un dieu, etc. Alors qu'il s'agit de la genèse de tout ceci à partir du désordre, de la foule en ébullition. C'est d'une logique implacable, en fait. Il suffit de réfléchir 5 minutes et raisonnablement, le RIC ou le contrat social, ça ne tient pas debout. Alors ça c'est très intéressant parce que. C'est ça un vrai mythe, en fait. Oui. Mais si, bah, si on prend la figure du mythe, on prend par exemple les grands héros grecs de Achille à Hector, tous ces héros-là se sacrifient. Voilà. Et d'ailleurs, c'est Achille, il avait la possibilité de rester chez lui et Exactement. De vivre une vie heureuse, et finalement, il a décidé de se sacrifier parce que le sacrifice lui permet d'avoir une vie éternelle, parce qu'on parlera et de lui. Il devient un demi-dieu, et il devient un demi-dieu. Héros au sens antique, et il permet de créer une nouvelle culture. Et les gens vont se rassembler autour de ça. Jusqu'à la prochaine fois où Jusqu'à on la aura prochaine besoin fois. De terminer le cycle et de recommencer. Et puisqu'on parlait de Étienne Chouard et puis des Gilets jaunes, finalement, lorsque les Gilets jaunes réclament de la démocratie, ils réclament de ce qu'on appellerait de l'indifférenciation, puisque ce qu'ils veulent, c'est après tout, ils partent du principe que tout le monde a droit et tout le monde est pareil, et qu'à partir de là, aucune distinction n'est possible, aucune forme de qualité n'est possible. Donc oui, le RIC et la possibilité pour tout le monde de s'exprimer permettra une juste égalité du pouvoir. Mais c'est un fantasme. C'est un fantasme pur, et en plus, le fait de, on l'a vu même sur les ronds-points en disant on refuse les chefs, on refuse qu'un quelqu'un nous représente. Bon, c'est un côté positif dans le monde actuel parce que tu trouveras toujours un chef plus ou moins placé là par les hiérarchies ouais. ou je ne sais quoi, ouais, ouais. Ça je peux comprendre. Mais le fait de refuser la hiérarchie et de faire croire que ma voix à moi, qui ne suis pas scientifique par exemple, c'est égal à la voix d'un scientifique. Admettons que demain il y a un RIC et puis qu'on ait tous le même poids pour une vote sur une loi scientifique, mais c'est complètement ridicule. C'est ridicule. Il suffit de réfléchir vraiment 5 minutes. On a tous des spécialisations et il faut une hiérarchie. L'hiérarchie, ça veut dire la science du. Enfin, l'acceptation du sacré, quoi, le pouvoir du sacré. Et c'est le problème du RIC et des Gilets jaunes. C'est ce que j'essaie d'expliquer dans l'avant-propos, c'est qu'en fait, ils ont été plus loin dans le. Ils vont peut-être même permettre la fin de notre cycle actuel, parce qu'ils veulent encore plus d'indifférenciation, alors que c'est l'indifférenciation qui nous tue. Aujourd'hui, tous les problèmes que vivent les Gilets jaunes, et même on pourrait dire le peuple en France, quelles que soient même les communautés, c'est l'absence vraiment de transcendance, et puis de quelqu'un qui tranche, un vrai père de la nation qui tranche, qui là aurait pu dire, même pour la crise du virus, on ferme les frontières, point.
Et puis on verra dans 6 mois si on les rouvre. Quelqu'un qui décide. Quelqu'un qui décide. Demander à tout le monde de prendre les décisions, quoi. Ouais. Et c'est ce qu'on voit dans le gouvernement de faire, tu sais, le fameux en même temps. En même temps, c'est l'indifférenciation entre le bon et le moins bon. C'est un gouvernement de gestion, c'est pas un gouvernement de décision. C'est les technocrates. Mais encore une fois, c'est vraiment très logique. Hein. Je comprends que les gens aient envie de, aient besoin de parler et que leur voix veuille se faire entendre. Pourquoi pas ? On pourrait imaginer au niveau local des démocraties. Est-ce que le rond-point doit être là ou est-ce que le feu rouge doit être là ? Il n'y a pas de souci. Mais pour les choses plus importantes, le régalien, tout le monde ne peut pas s'exprimer, quoi. Enfin, il suffit d'aller sur Twitter 1 minute 30 et on sait que tout le monde ne peut pas s'exprimer, quoi. Non, loin de là. Alors, on ne peut pas décider. S'exprimer, c'est une chose, mais penser que l'expression suffit pour la décision, ça ne suffit pas. Et moi, je pense que là, c'est ce que j'explique dans le bouquin, c'est qu'il y a eu plusieurs formes de patriarcalisation du monde et je pense que la Grèce en a apporté un qui n'est pas bon, puisqu'il n'a pas été au bout, c'est la démocratie, parce que la démocratie empêche le sacrifice sanglant. Le sacrifice sanglant est remplacé par l'élection. Donc c'est un point patriarcal quand même. Mais ça ne va pas au bout parce qu'il n'y a pas les deux autres niveaux qui suivent. C'est pas reculer pour mieux sauter au final ? C'est mettre un couvercle pour dire ça. Cocotte, quoi. Tout à fait. Et un jour, si on a une guerre civile, eh ben, ce sera peut-être la faute de la démocratie finalement. Et puisqu'on parle de cocotte, parlons aussi du féminisme. Puisque, mettons que je me place dans la peau d'une féministe à cheveux bleus et que je t'explique que ouais, mais. C'est bien beau de vouloir le patriarcat, mais le patriarcat c'est mal, le patriarcat c'est l'oppression sur les femmes, c'est considérer que la femme est un objet, c'est mettre la femme de côté puisque ça fait des siècles qu'on l'empêche de décider, de faire ce qu'elle veut, bref, on lui a martyrisé les pieds, on lui a pas donné de viande, enfin bref, c'est ce qu'on entend et apparemment ce sont des combats dits légitimes, bon, pourquoi pas, mais si je suis ta logique, la volonté de détruire le patriarcat, c'est pas un progrès, c'est un retour en arrière. Et en plus, ça va même au-delà, c'est que les féministes, moi je peux les comprendre, parce qu'on leur a dit ça pendant, celles qui ont 20 ans, on leur a dit ça pendant 20 ans. Et quand elles vont à l'école, on leur dit ça, le mauvais père blanc, en général il est toujours blanc d'ailleurs. Enfin bref, on va pas rentrer dans ces choses-là. On parlera peut-être un peu après. Voilà. Le patriarcat, c'est pas du tout ce que les féministes appellent le patriarcat. Le patriarcat, c'est ce que j'ai expliqué, c'est la complémentarité. C'est pas du tout le fait que l'homme soit supérieur à la femme. Il faut que les féministes comprennent une chose, c'est que ce n'est pas parce que vous êtes dirigé par un homme que vous êtes en patriarcat. Et l'inverse sera vrai. Demain, ne soyez pas débile à voter pour une femme juste parce que c'est une femme, parce que elle pourra très bien vous faire encore plus de mal que celui que vous aviez avant. Bah sinon, on aurait vu beaucoup de féministes voter pour Marine Le Pen en 2017. Exactement. Ce qui compte, c'est les principes. Ce qui compte, c'est les principes. On peut donner des exemples dans la mafia, par exemple. Là, il y a beaucoup de films là-dessus. C'est pas parce que vous avez un homme qui dirige que c'est les principes patriarcaux qui dirigent. Je conseille une série Fargo qui est tirée du film des frères Cohen Fargo. Mm-hmm. Dans la saison 2, vous voyez que celle qui gère la mafia, c'est une femme. Et elle gère de manière patriarcale. Elle a un fils qui veut prendre le pouvoir parce que son père est mort, donc le mari de la femme. Et lui, il aurait géré ça de manière matriarcale, tu vois. Ça, je pense que c'est la clé en fait, de comprendre que c'est pas parce que vous êtes dirigé par un mec que vous êtes en patriarcat. Ça n'a strictement rien à voir. Le patriarcat, c'est pas le 19e siècle où l'homme rentre défoncé, bourré chez lui et frappe sa femme. Ça, c'est anti-patriarcat. C'est l'image qu'on en a, c'est sûr. Mais c'est l'image qui est donnée par les médias et par toutes les féministes actuelles, quoi. C'est malheureux, mais si une féministe a le courage de lire le livre ou d'écouter une conférence si elle veut pas donner 20 euros, qu'elle écoute une des conférences et qu'elle essaie de réfléchir. Après, on peut débattre, hein. Moi je suis pas contre le débat. Oui, bien sûr. Mais qu'elle lise Régine Pernoud. Par exemple. Hein. Et qu'elle nous explique en quoi le christianisme, par exemple, est responsable de la détresse des femmes. Alors que c'est le christianisme qui a permis, par exemple, entre autres, entre des dizaines et des centaines d'autres choses, de sortir du mariage obligatoire pour les filles de 12 ans, par exemple. Tu prends les sociétés chrétiennes, je pourrais plus dire exactement le siècle, mais je crois que c'est au 12e ou 13e siècle. Dans une famille chrétienne, l'âge moyen des femmes au mariage, c'est 17 ans. L'âge moyen des femmes dans des familles païennes, c'est 12 ans. Donc où est la tyrannie, quoi ? Voilà. En plus, je disais un retour en arrière, puisque à un moment, dans ton livre, je donne quelques extraits aussi pour appâter le chaleur, tu parles de la figure de Lilith. Alors, en plus, c'est intéressant parce que c'est une figure qui inspire beaucoup de féministes, de néo-féministes, de mouvements qui s'inscrivent un petit peu dans la mouvance sorcière. Parce que voilà, oui, c'est un peu le retour de la sorcière. Alors tu parles de Lilith. Le cycle mimétique violent tient dans le judaïsme post-chrétien son vecteur le plus abouti. Pour retrouver l'âge d'or du jardin d'Éden, il faudra créer un homme nouveau, un nouvel Adam, qui devra prendre forme dans le monde réel. En compagnie d'Adam, nous trouvons une figure essentielle du judaïsme post-chrétien, Lilith.
Ce démon femelle tient une place prépondérante dans la démonologie juive. Elle menace les femmes enceintes et se voit citée à de nombreuses reprises dans le Talmud. Les écrits midrashiques rapportent la légende sur laquelle Adam se tourna vers Lilith après avoir quitté sa femme et qui lui décidait qu'il devait mourir. Alors, ça, par exemple, la figure de Lilith, oui, je la trouve intéressante, puisque beaucoup, donc, comme j'ai dit, de mouvements féministes font référence à des déesses, ouais, ça peut être aussi des déesses païennes comme, je sais pas, Athéna, bon, voilà, Némésis, voilà, un petit message aussi que nous avons interviewé du collectif Némésis. Mais juste pour faire comprendre que le féminisme n'est pas un progrès. Non, mais là-dessus, t'as totalement raison. Enfin, le féminisme tel qu'il est expliqué maintenant, même le mot féministe, en fait, n'a aucun sens. Ça demanderait encore trop de temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le progrès, avec un grand P, ce qu'on nous vend comme le progrès, c'est un retour en arrière. Ça, c'est une réalité vraiment... Par exemple, tu regardes le système familial qu'on nous propose, que les féministes nous proposent, c'est-à-dire on retourne aux familles communautaires, en fait. Même une femme célibataire, quelle sera la figure masculine qui aidera en général à éduquer l'enfant? Ce sera le frère de la mère, ce sera l'oncle maternel. Et puis tout d'un coup, il y aura des familles recomposées. Et on se retrouve vraiment quasiment, mais c'est vraiment pas une vue de l'esprit, on se retrouve il y a 4000 ans dans des familles tribales, dans des clans, on compagne sur le sexe et on va chasser, quoi. Et bon, la lance maintenant c'est la carte de crédit, mais on retourne à ces choses-là et le rôle de l'homme à qui on empêche d'être père. Notamment, on peut parler de l'avortement, parce que l'avortement, ça c'est toujours pratiqué, l'avortement. Bien sûr. Pas croire que c'est une avancée, c'est une régression. Sauf que maintenant, c'est dans la loi et on a le droit d'eux. Mais avant, on avait le droit d'eux aussi. Et c'était les tantes, en général, qui, avec des méthodes un peu violentes... À coup de cintre. Voilà, ou avec des aiguilles là où il faut, s'arrangeaient pour que la petite nièce puisse... les mêmes arguments qu'aujourd'hui, puisse avoir une vie. Comme si le fait d'avoir des enfants, c'était ne pas avoir une vie. Enfin, on rentre dans des trucs qu'on appelle progrès et qui sont vendus par le féminisme, comme tu dis, et qui sont en fait des génocides, puisque l'avortement, c'est un génocide. Hein. Il y a 10 millions. On approche des 10 millions depuis la loi Veil en France. 200 000 par an. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et à côté de ça, on nous bassine avec le véganisme. Il y a des incohérences absolument incroyables. Donc tout ça, c'est un retour en arrière. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Et si vous voulez aussi, chers auditeurs, étayer un petit peu si les sujets-là vous intéressent, moi je vous conseille de regarder ce qui se passe simplement aux États-Unis avec ce qu'on appelle les Western Queens, donc ces femmes seules, souvent noires, hein, faut le dire, qui ont 2, 3, 4 gosses et qui sont très fières de vivre à coup de bonne nourriture. Là, elles vivent avec des bonnes nourritures et grâce à Sainte Mère l'État, et ben elles peuvent élever leurs 3-4 gosses tout en faisant des vidéos sur TikTok. Mais ça, c'est du matriarcat total. L'État, elles sont féministes et libérées, hein. Mais là, ça, c'est du matriarcat total. T'as l'État, c'est une espèce de saint maternel nourricier qui te nourrit à juste ce qu'il faut pour pas que tu te rebelles. Et puis t'as la nouvelle déesse, c'est Gaïa, quoi. La terre maintenant, c'est devenu elle a remplacé notre dieu, quoi. Mais parfait, tu me donnes à nouveau ma transition, c'est parfait, je voulais en parler avec toi. Puisqu'on parlait de retour en arrière, il y a carrément là, donc une sorte de déification avec des mouvements Extinction Rebellion, Greta Thunberg dont on a parlé à ce micro, Aurélien Barreau et compagnie, donc une sorte de déification de la terre, hein, déesse Gaïa. Donc à nouveau, donc on s'inscrit bien dans ce retour au totalement. Ouais. Et je trouve même que ça a été plus loin qu'à une certaine époque, avec ce qu'on a vécu maintenant. Parce que si tu regardes, beaucoup de gens ont dit que la période actuelle, c'était la mort des idées de Greta, en disant on n'entend plus parler d'écologie, etc. C'est vrai, mais je pense que c'est surtout faux dans le fond, parce que à l'époque de la mode Greta, donc c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 6 mois en fait, 4 mois, quoi. Oui. C'était en début 2020, on entendait que ça partout. C'était « il faut sauver la nature ». Et l'homme était quasiment un problème, quoi, qu'il fallait éliminer. Et là, maintenant, la période actuelle, c'est que l'homme, il faut sauver l'homme. Pas parce qu'on l'a remis à sa place, mais parce qu'il est devenu lui-même du bétail. On l'a parqué chez lui, maintenant on doit mettre des masques pour sortir. Et symboliquement, c'est Greta qui a gagné. C'est-à-dire que moi j'appelle ça la révolution gaïatique. C'est-à-dire que comme on est, alors il faut comprendre les cycles, c'est la vision cyclique de l'histoire. Moi j'explique que 19e siècle, il y a le faux patriarcat que j'appelle patriarcat dégénéré. Ça c'est le premier cycle. Deuxième cycle qui découle de ça, c'est le féminisme. Ce qui est tout à fait logique, parce qu'il y avait des choses à changer. Ça, c'est... Mais ça s'enclenche, quoi. Ça s'enclenche. L'un ne va pas sans l'autre. Ensuite on a eu le masculinisme, espèce de mode complètement autour du bonhomme. Autour du bonhomme.
enfin du bonhomme, enfin du bonhomme gonflé quoi. C'est, voilà, c'est ça. Et en fait, ça a naturalisé totalement les rapports entre les gens. Et on a, l'être humain a un besoin fondamental de spiritualité. Donc l'écologie a comblé ce vide. La nature horreur du vide, c'est comme on dit, même si on sait que scientifiquement c'est faux, mais ça parle aux gens. Et on a mis du coup cette déesse Gaïa, et maintenant nous sommes tous à égalité, nous sommes tous indifférenciés entre les êtres humains et les animaux. On va nous gérer de la même manière. Alors nous, les brebis ont des bergers, nous on aura des drones qui vont nous gérer. Maintenant la puce RFID, on en parle comme si c'était quelque chose de... C'est acquis, oui. De tout à fait acquis, alors qu'il y a 10 ans, quand on disait ça, on était des sales complotistes moitié révisionnistes. Souvenons-nous quand même, moi je me souviens quand j'étais pas jeune, au tout début des Loft Story, etc., des émeutes devant les studios M6 où on cassait les studios, etc., où les jeunes disaient non mais c'est de la merde, alors que maintenant tout ça c'est rentré dans les mœurs. Quoi. Exactement. Et on se rend compte que de la même manière que les animaux sont pucés et sont tatoués, et puis ils n'ont pas le droit de sortir de la clôture. Mais on est dans ce monde-là. Mais clairement, alors ça va sans doute s'arranger. Mais culturellement, il y aura quelque chose en nous qui aura changé. Moi, je vois les images des enfants, tu sais, dans les cours maternelles où ils ont dessiné à la craie, tu sais, le petit endroit où t'as pas le droit de sortir. Ah oui, Tous les enfants se regardent en chien de faïence, il n'y a plus de contact humain. Voilà. Le contact humain, ils ont intégré le truc, ça y est. C'est quelque chose de très européen. Culturellement, ils sont en train aussi de nous... De nous rendre un pays comme l'Italie ou la France, s'il n'y a pas de contact humain, pour les Latins, ça ne va pas les mettre. Je ne sais pas si je suis allé un peu dans tous les sens, si c'était clair. Mais en ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est que c'est un retour en arrière. Effectivement, la religion gaïatique, Gaïa, la déesse mère, mais avec des nouveautés, toujours dans cette vision cyclique. Dans notre modernité, on apporte aussi d'autres choses et on va plus loin, dans le sens où l'être humain est totalement animalisé. Dans ses rapports humains, masculinisme, féminisme, on se pense uniquement par rapport à notre sexe et à notre couleur de peau aussi, parce que ça va ensemble. Et donc maintenant, on est des animaux comme les autres. Quoi. Et Gaïa, chapeautée par le capital, tu l'as un peu évoqué, mais ça, faut en parler un tout petit peu aussi, c'est PMA, GPA. C'est-à-dire qu'on en arrive à un mélange des rôles, avec l'explosion, la surexplosion des familles monoparentales, notamment aux États-Unis. Vraiment, je vous invite à regarder un petit peu ce qui se passe là-bas. C'est hallucinant, la poubelle qui est en train de devenir l'Amérique. Et l'État en Big Mother qui donne des croquettes aux gens. Donc il y a bien une volonté là-dedans de liquider totalement la figure du père, donc le principe de patriarcat, et la PMA-GPA, ça renforce tout à fait ça. Mais clairement, c'est la suite, hein, c'est ce qu'on fait avec les vaches en fait, hein. On le fait maintenant avec les êtres humains. Alors moi je pense aux femmes qui refusent d'allaiter parce qu'elles ne sont pas des vaches, ce qu'elles donnent à leurs enfants c'est du lait de vache, et en plus, on se rend compte que là, je sais pas si t'as vu, c'est drôle, c'est pas drôle en fait, mais il y a des bébés issus de GPA qui sont en attente de leurs parents acheteurs à cause du confinement. D'accord. Oui, oui. Ils n'ont pas pu aller les chercher comme un colis à Amazon, quoi. Oui. Comme un colis à la poste. Le drive est bloqué. C'est là, putain, ça fait 3 semaines que j'attends mon colis. Alors là, ça fait 1 mois que j'attends mon enfant, quoi. Oui. Et sans doute, il y aura des procès. De toute façon, ça arrivera forcément parce que c'est un contrat entre personne morale et une personne physique. Mm. Donc, un jour, il y aura des problèmes de livraison, dans le sens où il y aura des problèmes de fabrication, même on pourrait dire, dans le sens où ah non, mais j'ai demandé un des yeux bleus, il a les yeux marrons. Moi, je fais un retour à l'envoyeur, service après-vente, vous me remboursez mon enfant, quoi. Ce que je dis maintenant, ça peut paraître complètement con, mais dans 5 ans, 10 ans, ce sera sans doute une normalité. Peut-être même que ça existe déjà, parce que je ne me suis pas renseigné dernièrement. Mais c'est une évidence, puisqu'on rentre dans des contrats. Bah, con, non, parce qu'on parlait tout à l'heure de phénomènes qui s'enclenchent. Il y a quelques années, lorsqu'on disait si le mariage homosexuel arrive, il y aura PMA, il y aura GPA, etc., tout s'enclenche, puis on y est. Exactement. Et dans quelques années, on pourra commander des enfants avec soit des yeux bleus, soit des yeux verts. C'est bienvenu à Gattaca, mais. C'est ça. Dans le monde actuel, quoi. Et à nouveau, tu le dis très bien dans ton livre, encore petit extrait. En effet, l'amour d'un homme envers un enfant ne fait pas de lui un père, et cela résonne aujourd'hui avec les débats sur la GPA dite pour toutes. C'est ce qu'a dit récemment, je sais plus qui avait dit ça, je crois que c'était la ministre de la Santé qui avait dit qu'un donneur n'est pas forcément le père, ou je sais plus quoi. Non, je crois qu'il avait été jusqu'à dire qu'une femme pouvait être un père. Voilà, une femme pouvait être un père. Je crois que c'était quelque chose dans le style. N'importe qui pouvait être un père, et tu parlais de l'oncle. Mais elle disait, par exemple, oui, la figure de l'oncle, par exemple. Un père, c'est une fonction symbolique, ça peut être une femme? Ça peut être une femme, évidemment. Ça peut être une altérité qui est trouvée ailleurs dans la famille, on le voit. Ça peut être des oncles, ça peut être... Une grand-mère, ça peut... Je crois que les enfants ont besoin d'amour. Tout nous démontre aujourd'hui que ce qui compte, c'est la sérénité et l'amour autour de l'enfant. Toutes les familles peuvent le garantir. En latin, oncle, c'est onculus, ce qui veut dire le frère de la mère. Ouais, bah oui, mais c'est... Enfin, je veux dire, ce qu'on raconte, c'est pas du délire, quoi. C'est argumenté sur des... Il y a des exemples concrets, enfin... Moi, ce qui me désole, c'est que ce livre n'est pas lu par des féministes, en fait.
Oui. Moi, je prends beaucoup de temps à lire des gens avec lesquels je suis pas d'accord. C'est très important pour justement pouvoir écrire après, adapter ses arguments et puis même richesse intellectuelle. Mais les gens d'en face, nos chères féministes, ne font pas cet effort. Oui. Elles sont uniquement dans le matraquage et puis avec la loi Avia, ça ne s'arrangera pas parce qu'elles auront juste à cliquer sur signaler pour nous faire dégager. Quoi. Et tu rajoutes, dans les communautés primitives, la distinction entre un père et un homme qui vit avec ma mère semblait claire et limpide. Nous sommes désormais enclins à confondre et mélanger les rôles. Quand demain, mais c'est déjà le cas aujourd'hui, dans des sphères riches et déracinées, un enfant appellera « papa » un homme qui n'a pour seule qualité qu'être le frère d'une des deux femmes d'un même couple, ou d'un des deux pères d'un autre couple, alors nous pourrons dire que le progrès a dévoilé son essence. Donc voilà, exactement. Plus rien n'a de sens, c'est formidable. Alors, il faut aussi dire un mot, et ça tu l'abordes vers la fin du livre. Il faut aborder le religieux. On a beaucoup abordé le religieux, mais abordons le religieux vis-à-vis des trois grands monothéismes. Si je suis aussi ta logique, le judaïsme pré-chrétien serait matriarcal, le christianisme arriverait et imposerait une forme de patriarcat, et l'islam serait matriarcal, alors que on a toujours présenté l'islam de façon, on a toujours présenté l'islam comme une religion patriarcale. Exactement. Alors, essayons d'être clairs et courts, ce qui n'est pas évident. Ouais. Donc, le judaïsme pré-chrétien, donc l'Ancien Testament. Il faut pas oublier les trois niveaux, en fait. On se rend compte que dans le niveau 1, la famille n'est pas patriarcale. De ce que j'ai expliqué avant, je leur dis pas, sinon on va s'embrouiller. On se rend compte qu'au niveau 2, les rois juifs, il y en avait, mais ils n'ont pas du tout les principes du patriarcat. En général, c'est des boucs émissaires, d'ailleurs. C'est eux qui se font... Même les prophètes, souvent, se font sacrifier. On se rend compte d'une chose, c'est qu'il y a eu une patriarcalisation dans le judaïsme, c'est par le verbe des prophètes, qui annonce la venue du Christ. C'est pour ça qu'on peut dire que le judaïsme avant le Christ est matriarcal, mais pas que, puisqu'il propose un début de patriarcalisation que va... on pourrait dire accomplir, pour reprendre les mots du Christ, que va accomplir le christianisme. Le Christ. Mais ça n'est pas parce que le christianisme commence que nous sommes tout de suite dans du patriarcat, parce qu'il faut vraiment les trois niveaux. Pour moi, l'invention du patriarcat, ça se fait en France, par plusieurs étapes qui prennent vraiment des siècles, mais ça se fait en France à partir du moment où, un, on arrive à la famille nucléaire, ce qui ne se fait pas du tout tout de suite. Deux, on a un roi lieutenant du Christ. Ça, c'est, on le doit à un personnage de notre histoire qui n'est, je pense, pas enseigné à l'école, qui est l'évêque Saint-Rémy. Sans lui, il n'y a pas de patriarcat, sans lui, il n'y a pas de France non plus. C'est-à-dire cette alliance maître... Qui sacre Clovis. Exactement, qui sacre Clovis et qui sort Clovis du paganisme. Ça permet à la France d'avoir un roi qui n'est plus un roi païen, mais qui va devenir un roi qui sera plus tard celui qu'on appellera le lieutenant du Christ. Donc là, on est au deuxième niveau. Et je crois que ta question ne demandait pas le troisième niveau, puisque après il fallait parler de l'islam. Parce qu'on parlait de l'islam, en gros, on m'a toujours présenté l'islam comme une religion dite très patriarcale. D'ailleurs, c'est curieux, les féministes en général s'en prennent moins à l'islam qu'à d'autres religions. Mais bon. Sauf justement le collectif. Sauf le collectif Némésis. Mais qui reste dans le féminisme quand même. Je leur ai envoyé mon livre, j'espère qu'elles le liront pour sortir vraiment du. Il faut sortir du mot féministe, en fait, je crois. Bon, bref, on ne va pas parler de ça maintenant. À mon avis, d'où vient le problème avec l'islam, la confusion, c'est sur le côté viril, en fait. On est dans une société tellement féminisée qu'on le voit même beaucoup sur Internet. Quand on voit le comportement des jeunes musulmans qui, parfois, même se tiennent très bien, d'ailleurs, il y en a qui se tiennent très bien, qui ont certaines valeurs, qui refusent certains abus de la modernité, on peut être tenté d'être attiré par ce côté-là. Et en plus, et ça va encore plus loin, c'est que. On a l'impression que la violence de cet homme sur sa famille et sur sa femme en général, alors qu'on reproche le patriarcat blanc qui tapait sur sa femme au 19e siècle, là on a l'impression que c'est un retour du patriarcat tellement on est dans un monde féminisé, il y a un espèce de virilisme comme ça un peu exacerbé, et on va dire, regardez, ça c'est du patriarcat. Alors que si on prend les trois niveaux, ça ne tient pas du tout la route, parce que premier niveau, les familles sont des familles communautaires tribales. Le voile, c'est pas du tout quelque chose ni négatif ni positif, c'est un signe d'appartenance à un clan. Ça veut dire que la femme qui donne la vie appartient à un clan et pas au monde entier. Tribal, communautaire. On pourrait creuser, mais voilà. Ça serait très long. Voilà, ce serait très long. Deuxième niveau, l'islam n'a pas de vicaire, je sais pas comment on appelle ça, de vicaire de Allah ou de vicaire de Mahomet, je sais pas comment on pourrait dire. En tout cas, de hiérarchie terrestre vis-à-vis. Exactement, et les principes qui sont proclamés ne conviennent pas, notamment par rapport. Moi, je parle de civilisation musulmane, je ne parle pas uniquement du Coran, notamment par rapport au Tawhid.
Et ça, chose que j'ai jamais dit, je crois, à la radio, donc ce serait une première pour ici, ce qu'il faut bien comprendre avec l'islam, c'est que, en fait, c'est un syncrétisme entre les peuples juifs et chrétiens qui vivaient à cette époque-là dans ces parties où était fondé l'islam, et que dans le Coran, ce qui est appelé juif, c'est aussi les chrétiens, parce qu'ils ne faisaient pas la différence entre les deux. C'est pour ça que dans le Coran, il y a une figure de Jésus et qu'il y a une figure de Marie, qui sont pas trop mal. D'ailleurs, il y a des choses positives. On dit que c'est un prophète. Ouais, mais c'est pas du tout les mêmes personnages, en fait. C'est pas du tout les. Enfin, du coup, pour eux, c'est des personnages. Jésus, c'est un prophète, mais c'est pas du tout le Fils de Dieu incarné. Et puis la Trinité, ils peuvent pas l'accepter parce que aussi, il faut comprendre que même Mahomet ou Mohamed, je sais plus comment on dit ce qu'il faut dire, il acceptait au départ le culte avec trois déesses dont je parle dans le livre. Et en plus, avec un autre dieu qui, lui, là, je ne vais pas dire son nom, parce qu'il faut que les gens lisent le livre quand même, qui portait en lui tous les principes qu'on a expliqués tout à l'heure du matriarcat sacrificiel, avec la vision cyclique de l'histoire, etc. Et moi, je pense que si le croissant de lune est le symbole de l'islam, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'en fait, même, là, je renvoie aussi à la lecture par rapport au ramadan et par rapport à une déesse de la fécondité et de la fertilité qui était adorée par ces peuples païens avant l'islam. En fait, c'est une continuité, finalement, de ces croyances-là, vers ce que le prophète de l'islam avait compris, ce qu'il fallait passer à un monothéisme, parce qu'il avait compris le sens de l'histoire. Et ils ont repris un peu de judaïsme et un peu de christianisme, sans le savoir, parce qu'ils pensaient que c'était des juifs, ce qui était sans doute vrai, d'ailleurs, ethniquement parlant, si on peut dire ça à la radio, je sais pas. Ici, on peut le dire. Et donc, ils ont... Je ne sais plus qui m'avait dit ça, mais je trouvais que c'est très juste. L'islam, c'est une hérésie chrétienne. Moi, je dirais même que c'est une hérésie judéo-chrétienne, en fait. Parce qu'ils ont pris un peu des deux et ils ont créé une religion qui est ce qu'elle est. Et donc, on ne peut pas dire que... Et puis, il y a du sacrifice dans l'islam, encore. Et dernier point que je peux dire, c'est qu'ils disent qu'ils sont aussi une religion abrahamique. Donc, il faut aller voir la différence. Elle se fait au niveau du sacrifice d'Abraham sur son fils. Et là, j'en dis pas plus non plus, parce qu'il faut que les gens aillent lire le bouquin. Mais le fait que le sacrifice soit détourné et soit changé, ça change totalement le fait religieux. Et ça nous ramène, en fait, l'islam, c'est un retour au judaïsme pré-chrétien, mais sans l'annonce du Christ. Donc c'est un retour à la religion archaïque, en fait. C'est un retour à la vision cyclique. Et par exemple, le terrorisme musulman, moi, je pense que ce sont des sacrifices rituels, en fait. Ce qu'on a fait à Charlie, pour moi, c'est un sacrifice rituel. Il faut que le sang coule pour permettre l'arrivée d'une nouvelle culture, parce que ce sang nous coagule tous. Et certains pourraient dire que c'est positif, mais moi je pense que c'est très négatif. Un des apports, entre guillemets, parce que je trouve pas l'autre mot, des attentats de Charlie, c'est que nous, hommes de droite, enfin pas nous autour de la table, mais disons les hommes de droite en France se sont dit... Dit de droite. Charlie, on n'est pas d'accord, mais ils sont blancs comme nous, quoi. Donc finalement, il faut défendre ce qu'ils prônent. On peut défendre les individus, bien entendu, en disant c'est un scandale qu'ils aient été tués. C'est pas du tout le problème. Mais du coup, on ingère en nous des principes qui n'étaient pas les nôtres. Parce que le sang nous coagule, chacun dans nos communautés. Et ça peut créer une crise mimétique et ça peut créer l'arrivée d'un bouc émissaire. Et puis, donc par petites touches de sacrifice. Ouais. Ouais, tout à fait. Petites touches de sacrifice permanente qui fait que les gens qui n'étaient pas sur un positionnement idéologique, tout d'un coup, basculent. Moi, j'en connais plein. Progressivement. Bien sûr. Et puis... J'en connais plein qui disent, bon, finalement, c'est pas si grave, ce qu'ils racontent, au moins ils sont blancs, quoi. Et là, on tombe dans le racisme, ce qui est une très mauvaise chose, et on oublie les principes uniquement pour quelques points, le masculinisme, on est blanc, ils sont noirs, ou l'inverse, on se comporte comme ceux qu'on n'aime pas, en plus. Parce que ce qu'on n'aime pas chez les immigrés en France, c'est qu'ils nous appellent les petits blancs, quoi. Qui sont ouvertement racistes. Et qui sont ouvertement racistes, quoi, bien entendu. Et on arrive dans ce que tu appelles donc la rivalité mimétique. Exactement, et pour moi, on peut peut-être finir là-dessus. La crise actuelle, pour moi, on est dans une crise mimétique qui vient d'une psychose. Je ne dis pas que le virus n'existe pas, ce n'est pas du tout la question. Mais on souffre plus de la psychose qui a été ingérée par les médias et peut-être même par la Chine, comme certains dissidents chinois le disent. Et en fait, ça crée une crise mimétique entre nous et on le voit tout à fait. Et le signe de cette crise, c'est le masque. Si vous vous promenez sans masque dans certains endroits, les gens vous regardent avec de la haine, mais vraiment. Ah oui. Et tout le monde est policier maintenant. Tout le monde a une carte de police, quoi. Il y a eu une explosion des dénonciations, justement. La dénonciation qui n'est pas que française, hein, qui est mondiale. Oui, bien sûr. Et on sent qu'il y a une tension comme ça qui se crée. Et
Je parlais de ça avec un ami commun, Guillaume, qu'on peut saluer. Et on se disait en rigolant, mais le bouc émissaire sera celui qui n'aura pas de masque, quoi. Tu vois ? Et ouais. On sent vraiment ce truc-là de si un jour il y a une panique dans un magasin, on ne sait pas pourquoi. Ça sera lui. Il faut celui qui n'a pas de masque, il va vraiment en chier, quoi. Et moi, c'est ce que je disais à mes proches, c'est même si vous n'y croyez pas et que vous faites les rebelles, mettez un masque au moins dans les endroits publics parce que vous êtes regardé de travers et les effets de masse, on sait ce que ça peut donner, quoi. Ouais, ça peut être très dangereux. Ouais. Alors, on va terminer là-dessus, mais quand même une toute petite dernière question parce qu'on a fait un bilan assez noir de tout ça, mais bon, c'est l'époque. Avoir la foi, bon, ça se décide pas. Mais d'après toi, quelle est la démarche, peut-être, allez, on va dire, pratique qu'on pourrait, que n'importe qui pourrait faire pour essayer de se dépatauger un petit peu de tout ça ? Alors moi, je pense à la jeunesse. Les autres, démerdez-vous, vous êtes des adultes, alors faites ce qu'il faut, genre, voilà, quoi, tant de personnes. Moi, je pense aux jeunes qui ont 18-20 ans, qui veulent se mettre en couple. Il y a des choses qu'on peut faire, c'est-à-dire ayez en tête... Moi, j'aurais rêvé d'avoir cette idée quand j'avais 18 ans, tu vois, ayant en tête de fonder une famille patriarcale, c'est-à-dire ne prenez pas votre femme pour ni une boniche, ni quelqu'un qui va vous soumettre. Et donc, il faut trouver une femme qui accepte ça aussi, j'en suis bien conscient. Mais dans les réseaux chrétiens, il y en a plein qui vont à la messe, d'ailleurs, tous les dimanches. Donc, ayez ça en tête. Ou pas que, hein, y a aussi des femmes bien qui... Ouais. Y a des femmes il y en autant... a partout. Non, mais je veux dire, disons là-dessus, je pense qu'il y a autant de femmes perdues que d'hommes perdus. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Alors dans la perdition, on peut peut-être faire moins plus, moins égal plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut avoir cette idée en tête, fonder une famille patriarcale sur les principes que j'ai énoncés. C'est pas facile, parce que rien dans la société actuelle nous propose de faire ça. Ça pour le niveau 1. Le niveau 2, pour moi, c'est ingérable. Il faut regarder et se tenir prêt, tout simplement. Il faut se cultiver et puis c'est tout ce qu'on peut faire. Et le niveau 3 du religieux, les messes maintenant sont interdites. Il y a encore 6 mois, je disais, les messes ne sont pas encore interdites, mais là, elles le sont. Ouais. Mais à un moment donné, elles seront réouvertes, donc il faut y aller, quoi. Il faut aller à la messe en couple, en famille, essayer d'amener aussi votre petite nièce ou votre petit neveu. Et là, vous faites des choses concrètes qui sont simples et qui peuvent marcher, quoi. Et pour moi, le niveau 2 du politique, il n'est pas gérable pour l'instant, quoi. Mais tenons-nous prêts et puis on... Ça passera par autre chose. Voilà, peut-être qu'un jour il y aura cette fameuse rivalité mimétique et puis on pourra s'intégrer, s'immiscer dans ce truc-là. Et... On verra bien, quoi, mais il faut avoir un peu d'espérance quand même. Bah, comme on dit à la radio, la vie commence toujours demain. Exactement, comme le disait le menhir. Voilà, comme le disait comme le menhir. Comme le dit le menhir, pardon, il est toujours de ce monde. Bon, et ben Sylvain, merci. Merci à toi. Je rappelle ton livre, donc Ce sang qui nous lie, Sylvain Durin, aux éditions du Verbe Haut. De toute façon, vous aurez toutes les infos en description de la vidéo. Et achetez-le à la librairie française, parce qu'il faut sauver les librairies en ce moment. Donc achetez-le à la Achetez librairie local. Française. Voilà. Librairie française, pour les Parisiens notamment. Vous y allez, c'est ouvert même pendant la période actuelle. Vous les appelez, ils vous le donnent, ils ouvrent la porte, ils vous le donnent. Voilà. Soutenez vos libraires. Bien, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusque-là. Je vous encourage à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire, à partager cette émission qui, je l'espère, sera massivement écoutée. C'était François-Xavier Consoli. Comme on l'a dit, la vie commence toujours demain et haut les cœurs. Amen.